je vais devoir aller chez le microport. Je vais préparer mes affaires. Je vais préparer mes affaires. Je mets ma valise en coffre. Eh bien, Macropé, il est là, non? Eh bien, rentre, Macropé, c'est ouvert. Je vais te montrer ta chambre parce qu'on doit partir dans quelques heures. Enfin, non, même pas besoin de montrer ta chambre. On doit partir sur le champ au port. Tu es prêt? Oh Très bien, suis-moi alors. on prend pas ma voiture. Bah, moi, je prends la mienne perso, donc. Donc le bateau, il arrive dans quelques heures. Il arrive dans quelques heures le bateau. Donc Macropé, là on est en train de remplir le formulaire de quel bateau on a pris. Donc moi je dis que si j'ai 382 conteneurs, d'après la carte, on est à Norfolk. Donc je dis que j'aimerais bien aller à Stanley un peu. Non, pas Stanley. Moi, je vais à Stanley, perso. Ah non, à Jamestown. James. Enfin, non, je vais à Port de Stanley, c'est décidé. Après ça, je vais au port de. Après ça, je vais à Rockfall aussi. Et je remonte jusqu'à Port d'Emeraude. Et après, je vais à Chute Océanique. Et enfin, je vais à Wilmington et à Midway. Je vais à Port de l'Émeraude, après je fais un peu de maison autour et après je vais à Port de l'Océan puis à Wellington. Donc je charge 40 trucs pour Stanley. 40 conteneurs pour Stanley. Je pars en tout cas. Ouais. Bonne route. Ensuite, après ça. Après Stanley, je disais Port d'Emeraude. Donc, Port d'Emeraude. J'en ai 60. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, port de l'océan, enfin de chute océanique. Donc là, je dis, j'en ai besoin de 30. Et enfin, les trucs hors d'endroit. Donc, là d'un côté, j'en mets 125. Ah non, 126. Donc 126. Attends. Au mode déchargement. Émeraude, chute océanique, Midway. Ok, j'ai choisi Midway. Et Wilmington. Ok. Donc je suis prêt à partir. Le carburant est remplacé. Oula, j'ai des dettes maintenant. Je me demande comment je vais réparer ces dettes. Bon, en attendant, de toute façon, je dois partir. Allez, c'est bon. J'ai quand même une dette de 6000 dollars. C'est énorme. Donc les amis, on arrive au port de Stanley là. Allô Macropère, on est sorti des zones de turbulence. T'en es où toi? Enfin turbulence. Bien sûr, je parle des vagues. Hein. T'en es où toi? Là, je suis dans le canal. Ok. En plus, mon radar, il détecte d'autres navires. Vers quel canal est-il? Ah. Ouais, je dois me mettre à quai. J'ai des réparations à faire. Pourquoi t'as heurté quelque chose? Oui, un bout à cause d'un. Parce que mon bateau virait trop lentement. Plutôt un
cause d'un problème de gouvernail. Oui. C'est bon. J'ai une dette en moins. Attends, mon prochain truc, port d'émeraude. Attends, Wilmington, Midway, chute océanique, émeraude. Bon allez, je le mets pour chute océanique. Voilà, c'est bon, j'y vais. Je vais arriver dans l'écluse. Je vais aller dans l'écluse. Donc c'est bon, j'arrive à Port d'Emeraude. Donc maintenant, on va décharger des conteneurs. Allô, Macropet, tu me reçois ou pas? Ouais, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas livrer où? À Port de l'Océan qui est à côté. Ok. Bah, moi aussi, je vais à Port de l'Océan. C'est bon, j'ai une voix un peu plus d'argent. Ok. À tout de peut-être qu'on va se croiser, donc à tout de suite. Ouais. Donc, je charge des choses pour Port de l'Océan maintenant. Ok, à tout de suite. Bon, allez, à tout de suite, ouais. Départ pour Wilmington et Midway. Allô, capitaine Macropet, on arrive, on se rejoint à Wilmington ou à Midway, ou au port de Midway. Enfin, sur la route, quoi. Ça va bientôt être le temps pour moi de faire mon dernier voyage avant de passer dans le côté commercial pour les passagers ou bien d'arrêter tout court. Faudrait que je voie avec ma cropée. Vraiment, j'ai hâte, hein, parce que ça fait quand même 1 an et 3 mois que que j'arrête pas de faire ce trajet et ça commence à m'énerver. Ah, là, j'arrive enfin sur les côtes. Franchement, c'était sympa ce dernier voyage. Tiens, quelqu'un m'attend, on dirait. Bon, je vais mettre mon bateau un peu à côté de la côte. J'ai pas envie d'échouer non plus, mais bon. Bonjour. Ah, Macropet, ça fait plaisir de te voir. On peut rentrer chez nous, j'ai vraiment sommeil. Bon alors, comme on disait, bah du coup, on en a un peu marre de faire nos voyages de cargo. Moi j'ai fait mon dernier voyage il y a 2 heures, je l'ai fini il y a 1 heure à peu près. Donc perso, t'aurais pas envie toi de créer une compagnie maritime? Parce que c'est vrai que moi je m'ennuie un peu, et puis avec des passagers ça me fera... Moi je sais que j'aimerais construire comme compagnie. Une compagnie, ouais, dis. La White Starlight. La, ouais, un remake, ouais, ça serait génial. Moi, perso, je pense faire, bah, j'en ai pas des noms en fait. Donc je vais mettre... On va faire la Cunard peut-être. La Cunard, un remake de la Cunard. Peut-être, ouais. Ou bien, peut-être, ouais, ou bien je fais la Pun Grimpus Lines, tu vois. Non, je pense que tu pourras faire la Cunard. Ouais, la Cunard, en vrai, un remake m'intéresserait bien. C'est vrai que j'ai toujours été fan petit de cette compagnie, c'est dommage qu'elle n'existe plus. Bon, je serai la Cunard 2, je m'appellerai Cunard 2, Cunard 2 alors. Moi, j'ai sommeil, ça te dirait pas qu'on aille se coucher et qu'on en parle demain? Donc, très bien, allons nous changer. Ok, j'y vais, tu vas en bas? Ouais. Je vais là-bas. Ah, bonne nuit, Macropet. Bon, j'ai enlevé mes lunettes, là, j'en ai marre. Ah, là, ça fait du bien, non? Bon, c'est vrai que tu vois pas trop ma tête, je vais peut-être faire attention à ce que tu la vois un peu plus, c'est vrai, ça. Mais bon, allez. Moi, je dis que ce serait bien de dormir.
Bonne nuit, Macropet.